Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite carte que j'ai reçue vendredi. On est dimanche, du coup, voilà. Donc voilà, une jolie carte. Et en fait, c'est la maman de Béatrice Création Altea. Donc, Christiane, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta jolie carte. Vraiment, elle est sublime. Donc, elle a fait un fond avec un joli encadrement en plâtre, des petites fleurs, là, une fleur faite avec des rubans, des demi-perles, une petite rose, là, une autre fleur. Et là, pareil, des fleurs, des pistils. Enfin, elle est sublime. Donc, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir une carte et je te répondrai puisque tu m'as donné ton adresse. Et en tout cas, merci, merci beaucoup et bravo parce qu'elle est vraiment, j'adore. Du coup, voilà, je te remercie beaucoup. Et elle a envoyé donc un petit bracelet pour Rose. Qu'elle a fait en perles, c'est gentil comme tout, je lui donnerai, je dois les voir demain, donc je lui donnerai demain, et elle a fait une petite ATC pour Rose et Matisse, donc sur un fond de papier de Noël, là avec un petit sticker, c'est un petit papillon, un petit cerf et un petit bonhomme, donc du coup voilà, et là pour... Oui, enfin, peu importe que ce soit Rose ou Matisse, voilà, ils choisiront celle qu'ils veulent et puis voilà. Alors, toujours sur un fond de papier avec des sapins, des bonhommes de neige. Là, elle a mis une petite coccinelle en sticker, un petit bonhomme en puffy. Et là, pareil, un papillon et là, des petites fleurs. Donc voilà, ben, Christiane, je te remercie beaucoup, beaucoup. Et je répondrai, je te renverrai un petit courrier. Voilà. En tout cas, ça m'a fait beaucoup, ça m'a fait très plaisir de recevoir ton petit courrier. Et je dirais continue parce que vraiment, chapeau. Voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de donner ton âge, mais... voilà, continue, moi je trouve ça super et je suis... ouais, ça fait plaisir de voir qu'à un certain âge, on fait encore des choses et vraiment c'est génial. Donc voilà, je te remercie beaucoup. Ce matin, j'ai été faire une brocante avec mon fils et du coup j'ai trouvé plein de dentelles, donc je vais vous présenter... Ce que j'ai acheté pour une fois, voilà. Donc, alors, j'ai payé 1 euro le mètre. J'ai pris 2 mètres à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, j'en ai plus de 2 mètres parce que la personne qui m'a vendu ça a vraiment été super sympa. Et du coup, m'en a donné beaucoup plus de ce que j'avais demandé. Donc, voilà. Alors, donc, là, celle-là, elle est un peu blanc cassé. J'aime beaucoup cette forme. Donc voilà, il y a celle-là. Il y a celle-là que j'ai aussi beaucoup aimée. Donc voilà, chaque fois j'en ai pris 2 mètres. Là, je vais aller les laver, les passer à la machine parce que bon, ça sent fort le renfermé. Celle-là, j'adore. Alors c'est pareil, hein, j'en ai pris 2 mètres, mais vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup plus de 2 mètres. Hein. Du coup, ouais, je crois qu'il a dû m'en donner au moins 4 mètres de celle-là. Enfin bref, c'était super gentil. Donc après, celle-là, elle est un peu bordeaux. Un rose, rose, ouais. Un rose foncé, mais couleur bordeaux, avec là, un petit peu de marron. Enfin, j'ai trouvé là pour cet hiver. J'ai beaucoup aimé cette couleur-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris en comme ça. Donc voilà. J'ai pris comme ça. J'ai bien aimé. Là, on dirait des petits drapeaux. Donc du coup, j'ai pris comme ça. Celle-là. Alors celle-là, je crois que c'est ma préférée.
Celle-là, elle est trop belle. Enfin, avec la Bordeaux, là, la rose foncée, j'espère que vous pouvez voir. Elle est rose clair, en fait, et rose et blanche. Mais celle-là, elle m'a beaucoup plu. Donc, du coup, voilà. Je cherchais du tissu, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, en fait. Donc, c'est pas grave. Je referai d'autres brocantes. Donc voilà. Là, il est rose. Là, en blanc. Ça, j'ai bien aimé aussi. C'est des dentelles. Ce qui est bien, c'est que c'est des dentelles qu'on ne trouve pas forcément quand on les achète, quoi. Celle-là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une fleur au milieu. Donc voilà. Et du coup, il y a celle-là aussi. Alors ça, c'est plutôt de la broderie anglaise. Moi, j'aime beaucoup la broderie anglaise. Je trouve ça super, quoi. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Voilà. J'en ai eu pour 30 euros. 1 euro le mètre. J'ai pris 2 mètres à chaque fois, mais j'en ai beaucoup pour beaucoup plus. Voilà, j'ai beaucoup plus de 2 mètres. À chaque fois. Ensuite, hop, ça n'a rien à voir avec le scrap, mais Lilou, à chaque fois qu'elle voit des anges, elle m'en achète un. Alors pour une fois, j'ai trouvé des anges que j'ai pas moi. Enfin, que voilà, ça serait, c'est à elle, c'est pas les mêmes que moi. Et du coup, je lui en ai pris un comme ça. Je vais me faire tordre le cou par Ludo, mais ça fait rien, hein. Et puis j'en ai trouvé un autre comme ça. Alors bon, je veux pas faire d'histoire, donc voilà, il se couche comme ça. Moi, j'en ai un dans ce genre-là. Je veux pas faire d'histoire, donc entre les deux, il y en a un pour Lucie, un pour Lilou. Elles choisiront, elles se débrouilleront. Voilà. Par contre, j'ai rien trouvé pour Lola qui est plus petite, c'est pas facile, je n'ai rien trouvé, mais bon. C'est le fait de dire, bah Lilou, quand elle voit des anges, elle pense à moi, ben moi aussi, voilà, j'ai pensé à elle pour une fois, voilà. Ils sont un peu plus gros, mais ça fait rien. Et après, bah, rien à voir, rien à voir. Moi, voilà, j'ai pris ça, j'adore. Ça s'assoit, il s'assoit comme ça. Et ça, les vieux modèles de Noël, comme ça, j'adore. Donc, du coup, j'ai pris celui-là et j'ai pris, hop, celui-là. Avec sa hotte de Noël. Voilà, et du coup, bah, le monsieur me les a vendus 5 euros les deux. Donc voilà, je vais les nettoyer et puis ils feront partie de mon sapin cette année à Noël. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce style-là, j'aime beaucoup. C'est pour moi, ça représente Noël dans le temps, quoi. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Voilà pour ma petite vidéo. Hop. Donc voilà, elle n'est pas très longue, mais ça fait rien. Christiane, je te remercie encore pour ton gentil courrier. Je te renverrai une petite carte cette semaine et je vous souhaite voilà, un bon début de semaine. Pour ceux qui reprennent le travail, ben, bon courage. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.